Et c'est tout le monde, c'est Gris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis tout seul, et vous remarquerez que je vais très vite, tout simplement parce que c'est un accéléré en dé ce début de vidéo, excusez-moi. Donc voilà, je vous explique ce qu'on fait là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un MCPVP. Donc un petit MCPVP, ça, normalement il dure 20 minutes, hein, mais je l'ai rallongé. Enfin, je l'ai raccourci plutôt. Donc voilà, un MCPVP, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait en vidéo, en tout cas. Donc voilà. Pourquoi un post commentary? D'habitude j'aime pas trop ça, mais bon là j'ai pas le choix parce qu'en gros je vous explique, il était c'était le soir, il était tard et donc j'étais en con avec plein de gens, du coup c'était déjà pas mal le bordel. Puis ensuite mes parents étaient partis dormir, donc du coup je pouvais pas trop parler fort pour un commentary. Donc du coup voilà, j'ai même pas trop parlé même dans la conf parce que tout simplement, j'étais venu me faire engueuler, pardon, pendant un moment. Donc voilà, pour ce MCPVP, je vais être avec AntoSchool en double ermite, AntoSchool, pardon, parce qu'il aime pas que j'appelle AntoSchool. Donc, bah, dédicace à toi, et donc voilà, j'espère que tu auras apprécié ce MCPVP. Donc, voilà. Donc c'est parti, là je me craftais mes champis et tout, je vous ai fait un accéléré pendant ce temps-là. Donc je suis pas full champi, mais j'ai de quoi me refill, etc. etc. Donc c'est bon. Donc là, ça commence direct. J'arrive et là je vois une team de deux. Donc je fais signe à Anto. Viens, viens, on va se faire. Donc c'est parti. On commence, on va se faire du 2v2. Donc ça avait des épées en fer. Enfin, celui que j'ai commencé à combattre avait une épée en fer. Du coup, il faisait pas mal de dégâts. Je vais taper en taux de temps en temps, je me suis pris un knockback là, j'ai été foutu dans le truc. Et là, boum, il est mort, il a dû fail je pense, parce qu'il est resté des sous. Donc voilà. Là, vous remarquerez qu'il y a un troisième gars qui s'est ramené. Donc il a commencé, l'autre a commencé à s'enfuir, lui c'est le troisième. Donc on l'a crit et tout. Et du coup, il restait plus qu'un, du coup, vu qu'ils étaient en team, c'était de faire du 2v1. Donc voilà, on s'est retrouvé donc avec je me suis retrouvé déjà avec 3 kills, donc 3 kills c'est déjà pas mal, je crois il y avait 7 kills en tout dans la partie. Donc en parlant de ça, juste je vous mettrai mes stats MCPVP dans la description pour ceux que ça intéresse. Elles sont pas géniales hein, faites pas attention à ça, mais juste parce qu'il y a des gens que ça intéresse, les stats MCPVP, il y a des gens que ça intéresse, alors je me suis dit tiens, je vais leur donner aussi, comme ça ils seront contents. Enfin, j'espère que vous êtes contents. Donc voilà, on continue. En passant au début de vidéo, vous avez dû voir donc l'intro que Run Graphics m'a fait. Donc tout simplement, bah, merci à lui et GG parce que franchement, elle est vachement stylée. Moi, je kiffe bien. Il en a fait une pour M25 aussi, donc voilà, merci. Donc voilà, il est allemand, donc il comprendra peut-être pas. Donc Rhône. Là, je vais parler en allemand, je vais dire merci beaucoup. Donc là, c'est parti, je traquais un autre gars. Donc encore en accéléré. Je fais pas des gros accélérés, je les ai mis à 200%. Donc le mec était là. J'ai eu peur que ce soit une team au début. Mais en fait, non, ils étaient en train de se battre. Donc là, je vais un peu ramasse-miettes. Il avait encore 2-3 soupes. Il devait se recraft en fait, mais pas eu le temps. Donc voilà, là, je vais donner un saut à Anto. Et je vais prendre saut d'eau et saut de lave. Donc ça va être. Ça va pouvoir me servir. Même s'il ne me semble pas, j'ai pas souvenir que je m'en sers dans la vidéo. Donc voilà, là il est. Actuellement, il est genre 13h, quoi, 13h40 environ. Donc voilà, hop, un nouveau mec qui fuit. Donc voilà, il me semble. Ouais, il allait chercher son pote, voilà, c'était ça. Donc là, encore 2v2. Donc lui, on a commencé par le focus vu qu'il avait du stuff. Donc j'ai chopé l'autre gars et puis je l'ai buté. Donc ça me fait 5-6 kills là. Donc franchement, c'était un très très bon début de partie. Après ça se calme en fait. Je crois que j'ai pris tous les kills avant mon tour en fait. Donc voilà, je vais lui donner donc des carottes aussi. Donc voilà. Donc c'est franchement une bonne partie. Vous verrez qu'à la fin ça va être stylé. Donc voilà. Donc on continue. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Donc là je traque Venfer. Je ne sais pas
qui sait, mais vous allez le découvrir très prochainement. Donc voilà, pour parler en attendant le temps qu'on arrive, fuck le téléphone. Attendez. Donc voilà, re tout le monde, c'est reparti. Donc voilà, là je monte la montagne, j'ai donc si je peux regarder derrière moi, c'est par rapport au launcher Ascensia, donc quand vous appuyez sur X, vous regardez derrière vous. C'est plus pratique que le double F5. Donc voilà, là Anto me boostait. Donc voilà, donc, je suis désolé pour le téléphone, c'est encore ces sociétés qui vous appellent là, c'est pas mal chiant. Donc voilà. Donc on continue, ça y est. Donc on traquait toujours Vunfer. Je ne sais pas ce que c'était. Bah voilà, un mineur. Voilà. Donc c'est parti, on va aller chercher ce bon monsieur. Il est par là-bas. Allez, on descend dans les grottes. Là, je fais une petite chute, mais ce n'est pas grave, c'est un mineur. Je me suis dit, il aura pas de sous, normalement. Donc voilà, j'avais raison. Donc voilà, le mec avait pas de soupe, du coup bah, j'en ai profité. Hein. Là j'ai eu un petit lag de co. Donc là je suis désolé, c'était moche sur la vidéo. Ouais, donc là je trie son stuff, mais en fait je trie le stuff en boucle en fait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs. Donc vous allez voir, je vais faire cramer ça. Hop, saut de lave. Tac. Bon voilà. Là il y avait encore un peu de fer, Anto avait 4 a eu 4 fers, on savait pas trop quoi faire avec. Donc je lui ai dit de les garder il me semble. Donc c'est parti, on continue donc la game. Il y a un mec il disait Bibol, je sais pas pourquoi. Était un peu bizarre. Ouais. Donc ouais, vous allez voir d'ailleurs que ces mecs vont bien nous. Donc casser les bonbons. Donc voilà, là on remonte donc avec des blocs. Tout simplement, ça sert à chier. C'était franchement une bonne partie d'MCPP. Bon, on a connu mieux, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup mieux sur YouTube même, mais bon. Ouais, moi qui suis pas vraiment un pro d'MCPP, bah je peux pas trop vous faire des gameplays genre à 19 kills ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, là on regarde, et en fait les deux mecs qui étaient chelous, c'était une tower. Donc voilà, ça va bien être emmerdant parce qu'on est traqué tout le temps en fait. Donc bah, ça nous a bien bien fait chier, tout simplement. Donc voilà, une tower, c'est des trucs que tout le monde déteste. Quand vous êtes en bas, qu'il y a une tower qui peut vous mage et tout. Donc là j'ai direct pensé à une trappe en fait. Parce que je me suis dit que je le sens pas du tout. Et juste avant on avait fait une game en fait où on s'était fait trap. En gros le mec nous avait mage, on avait pas fait gaffe. Et il nous avait mage en haut et tout simplement ce qu'il avait fait, c'est que sur les côtés, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait des éponges de launcher et donc on s'est fait propulser en haut et on est mort en fait dans le forcing de la hauteur. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une bonne trappe MCPP, hein. GG à eux, mais bon, ça nous a bien fait chier en fait. Sale truc. Donc voilà. En fait au début d'ailleurs, j'étais pas au courant que j'étais en rec, j'avais pas vu. Donc voilà. Là, à partir de ce moment-là, je parlais plus dans la con, du coup je devais me faire comprendre en parlant dans le chat. Valtou est bien stupide, dédicace à Valtou. Parce qu'il faisait des blagues de merde dans la con, je pense, ou un truc comme ça. Enfin, comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'était bien fun, franchement, c'était une soirée bien fun. Donc voilà, là, je rage parce que je peux pas traquer personne, je peux traquer personne d'autre. Juste au moment où je dis ça, Angel Zino, et je traque quelqu'un d'autre. Try to come up. Donc là, j'ai tout de suite pensé à la lunch trap, ce que je vous ai parlé avec les éponges, parce que ça avait la même gueule en fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une autre tower. Donc là, on rage bien, franchement, on rage bien. C'était très très chiant. Donc là, je me suis dit, j'ai dit à Anto, ouais, viens, c'est mage. Enfin, j'ai essayé de me faire comprendre. Donc voilà. Hop, donc là, on essaye d'avancer doucement et tout. Au cas où il y aura un standard.
D'ailleurs, il y aura un stand. Bon, en gros, j'ai voulu me faire mage, mais Anto m'a fait. Ouais, non, c'est une mauvaise idée s'il nous tue après, enfin, avec le rack et tout. Donc, voilà. Là, je vois un mec qui était buggé. Donc, bah, j'ai fait ok. Ok, tant pis. Mais souvenez-vous bien de ce mec buggé, franchement. Vous allez voir. À moins que je me trompe, d'ailleurs, en fait. D'ailleurs, en passant, si vous savez pourquoi il y a de l'endstone maintenant sur une partie, il me fait péter. Est-ce que c'est à cause des Endermages ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je me suis pas trop tenu au courant des nouveautés. Donc franchement, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, c'est serait cool voilà, de compléter ma culture MCPP. Donc franchement, je me suis bien mis au MCPP, j'en ai refait pas mal de games hier soir. Donc, parce que ça, le montage, je fais le lendemain de la vidéo. Donc j'ai fait pas mal de games, genre 5 ou 7, entre 5 et 7. Et donc du coup, bah voilà. Qu'est-ce que je dis? Ouais, donc je me suis bien mis au MCPP, et là, ouf, creeper. Donc on a eu pas mal peur. Mais bon, voilà. Ce n'était qu'une frayeur, plus de peur que de mal, comme on dit. Donc voilà. Donc là, on veut se faire mage, mais les mecs ne veulent pas nous mage. Donc c'était bien chiant. Bon. C'était pas très, très sympa de leur part, même si franchement, même si c'était en trap, ils auraient pu me pousser, etc., etc. Mais ils voulaient pas. Donc là, le mec se fout de notre gueule, littéralement. They can track anyone to a win, donc ils ne peuvent traquer personne. Et toi, leur gagne. Le mec, il dit lol, voilà. Donc ils étaient franchement, c'était des trolls, tout simplement. Donc là, je lui dis no mage, et là, boom, fist. Donc là, bah, direct, go fist, hein, de toute façon. Y a que ça à faire parce qu'ils vont. Franchement, si on monte, on se fait pousser, on meurt. Et si nous, ils voulaient pas nous mage. Donc, franchement, autant aller au fist, hein, je vous dis. Là, je me suis dit au moins on aura du stuff, des enderpearls et tout. Donc là, il y a un son père, un mec qui a sauté pour bien faire rager son pote. Tout simplement, j'ai balancé un easy parce que ça m'a fait chier en fait. Donc voilà. Et je crois que son pote va suicider d'ailleurs. Je suis pas sûr, on va voir ça très bientôt normalement. Donc voilà, là direction le fist, c'est parti. Donc on aura le fist, hein, vous inquiétez pas. Ok, là il y a un bug. Gros bug de montage. Il est bien sale. Ok, donc là, en gros, il y a un gros bug de montage, c'est chiant. Je suis désolé pour ça, mais je peux pas le rattraper parce que j'ai passé aucun an en projet avant. Ouais, merci Vegas, what the fuck. Donc voilà, c'est un accéléré, mais il est bugué l'accéléré, c'est chaud. Donc voilà, là on se fait une petite fight avec Anto, parce qu'on se faisait chier, voilà. Là je commence à parler aux gens en attendant le fist en fait, on a fait le con. Là j'ai voulu pousser, mais je suis tombé comme une merde. Donc voilà, Amit, franchement, là y a rien à dire. Par contre, attends, je vais me faire violer par un mob. Donc voilà, 45 secondes avant le fist. Ne vous inquiétez pas, ce truc est bientôt fini. Quand le fist spawn, en fait, l'accéléré s'arrête. Hein, je me souviens du montage que. Voilà. Là, je suis désolé, c'est mieux comme ça. Donc voilà, stuff diams direct, Enderpearl. Là, j'ai vu l'Enderpearl, j'étais vachement content. J'ai dit, oh putain, enfin on pourra les choper ceux-là. Popo de poison, un peu de steak. Bot en diams, donc je vais pas être full diams, mais je vais avoir pas mal de trucs. Il me semble qu'il y a juste le casque que j'aurai pas. J'aurai pas de casque du tout, en fait. Plutôt une partie. Donc voilà. Là, je prends des TNT, on va faire péter le fist. Donc hop. On prend tout. Donc il y a des mini-fists qui ont spawné, mais on n'est pas allé chercher. Hein. Parce que les coordonnées, on était vachement loin, il me semble, et puis même on avait à fond. J'ai donné une underpearl en tout, d'ailleurs. Donc là, en gros, Anto me dit, ouais, viens, fais péter le fist. Ok, pas de problème, j'enchante juste mon effet. Là, il y avait un bug. Le truc, vous savez, j'appuyais sur 1 pour la glisser dedans, ça marchait pas. Donc voilà, épée, sharp dessin, ça revenait pas non plus, c'était chiant. Donc voilà, là, on fait péter le fist, et donc voilà, je l'allume. Et là, je meurs. Là, je fais, wait, qu'est-ce qui se passe? Et
Tout simplement, le mec qui était buggé, Mastombre. Donc voilà, le mec qui était buggé, Mastombre, j'étais vachement choqué. Donc voilà, je pense que c'est le temps de faire l'outro. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien dégoûté à la fin. Bon, tant pis, c'était une bonne gueule quand même. Donc 7 KMCVP. Et voilà, ciao tout le monde.